Nous allons aujourd'hui découvrir les meilleures créations des Rainbow Friends avec des aimants. Et il paraît qu'une fois que tous les Rainbow Friends sont réunis, ils prennent vie les amis pour nous faire peur. Ça va être complètement fou. Alors c'est parti. Alors ces créations avec des aimants ont été créées par la chaîne Magnet Art et le mec est beaucoup trop fort. On avait déjà vu des vidéos et c'est incroyable. Et je pense que là je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est qu'on est en train de faire. La couleur parle d'elle-même les amis. Et vous le savez, la dernière fois on l'avait vu, il fallait rajouter par exemple là, les petites billes chromées comme ça pour pouvoir les enlever, pour pouvoir faire la bouche en relief comme ça avec un peu plus de profondeur. Et ensuite on ajoute les yeux. Et normalement c'est vrai que Blue il a un œil complètement avec un hic comme ça, complètement réparé, et sa couronne qui était déjà prête avec des magnifiques boules magnétiques. Et maintenant on va sûrement passer aux jambes ou au corps. Alors l'avantage c'est qu'il a déjà créé toutes les couches, comme ça il a juste à les juxtaposer comme ça et là ça devient parfait. Alors est-ce que c'est le corps ça les amis ou est-ce que c'est les jambes? Je pense que ça va faire beaucoup si c'est les jambes quand même par rapport à la tête. Ouais, c'est bel et bien le corps. Blue commence à prendre forme, il est tellement stylé. Et là, cette fois-ci, on va faire les jambes. Enfin, je l'espère. Oula, pourquoi il les met de pied? Elles sont de pied, les... Ah ouais, un tout petit peu comme ça. Oh yeah, c'est trop classe. Ah, il avait déjà la deuxième jambe. C'est qu'il est en train de marcher. Serait-il prêt à marcher vers nous? Voilà, il est en train de resserrer le tout histoire que la structure soit un petit peu plus compacte. Et c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il en reste? Ah, c'est la bave. Mais oui, le petit détail de la bave. Et les deux... Ah. Ah, je croyais que... ah oui d'accord, je croyais que c'était deux bras mais non, il les avait pas finis en fait. C'est le bras complet qu'il a fait donc avec les deux pièces. Et là c'est parfait, nous avons les amis notre première création. Et c'est extrêmement bien fait, franchement, j'ai à lui. Oula, il a commencé, ok, il a pris forme mais il nous a pas fait peur. C'est à la fin de la vidéo qu'il nous fera peur pour l'instant. What? Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est pas pour les placer plus facilement? Oui c'est ça, sinon il serait décalé peut-être à force. Et alors là, c'est parti donc pour la tête de Green les amis, vous l'avez reconnu évidemment avec ses dents comme ça. Alors Green est aveugle, il va quand même lui faire les yeux même si... Oh, ah, même... j'avais pas vu qu'il y avait du rouge pour la langue à l'intérieur et les deux yeux comme ça. Bon, il voit rien du tout en vérité et là, on lui fait effectivement sa petite langue comme ça. Alors par contre, on va maintenant faire... Mais alors lui, ça va être ouf parce qu'il a des bras gigantesques les amis et surtout des jambes aussi hyper grandes. Et qu'est-ce qu'il va commencer par quoi là? What, what, what? Oh, c'était hyper satisfaisant ça. Hop là. Ça y est les amis, nous avons la base de Green. Hop là, et maintenant il va faire les... Non, le corps, ça c'est le corps et après c'est les bras. Oh là là, c'est exactement ça. Oh, what? Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Oh, ah oui d'accord. Il va poser la structure pour que ce soit beaucoup plus simple pour mettre le bras. Alors est-ce qu'il va l'enrouler directement dedans? Oh, trop stylé, il a même fait les doigts. J'avais oublié les doigts. Et hop là, il le met dedans. Et là, ça devient beaucoup plus simple. Sinon, ça aurait du mal à tenir, les amis. Ça, ce serait... les aimants auraient pas été assez puissants pour tenir. Alors que là, regardez, ça aurait fait ça, en fait. Les aimants seraient tombés sur la jambe, comme ça. Et let's go. On a Green, qui est beaucoup plus stylé que Blue, franchement. Pour commencer, c'est oufissime. Non, non, va-t'en. Wow, il va nous faire peur maintenant. Mais c'est pas encore, les amis. Et là, maintenant... On passe, évidemment, à Orange. C'est vrai que c'est pas dur à retenir les noms des personnages de Rainbow Friends, hein, c'est fait exprès. Et là, maintenant, nous avons, évidemment, sa grande bouche, prête à dévorer les ennemis. Alors lui, par contre, Orange, vous le savez, les amis, il ne va que dans un sens. Enfin, plutôt, il suit une seule ligne. Hop là, ok, parfait, très bien. On verra ça quand il nous fera peur tout à l'heure. J'espère qu'on sera pas sur la ligne de Orange. Mais franchement, mettez, les amis, un gros pouce bleu pour le talent de Magnet Art, qui est vraiment... beaucoup trop fort. Et c'est parti donc pour les petits yeux d'Orange qui dépassent un petit peu comme ça là. Oh, tel un petit reptile. Oh, il est incroyable. Allez hop, c'est parti donc pour le corps maintenant. Ça va être trop stylé. Alors là, il a mis un peu... Il en a enlevé un petit peu pour faire plus de relief. Ok. C'est quoi ça? C'est son... Ah, c'est la queue? Quoi? Ah non, attendez, attendez, attendez. Je me suis dit, comment il est fait Orange? Ah oui, non, il est sur ses deux pattes. Il est sur... Voilà, il est sur deux pattes et après il a ses deux pattes à l'avant comme ça. Je sais pas comment il va les faire. Hein. Les deux petites pattes à l'avant comme ça. En tout cas, on a fait la queue. On met la tête. On joint le tout. Et on a... Oui. Il faut qu'il me fasse ses petites mains. Oh, c'est les petits bras. Ok. Ok. Ah oui, d'accord. Les petites billes qu'il a mis au bout, c'est vraiment pour faire les petits doigts. Il a vraiment des petites mains. Oh, incroyable. C'est le plus stylé, les amis. C'est le plus classe. Franchement, c'est trop classe. Hop là. Après, il va faire purple, je pense. Hop là. Ok. C'est bon. Tout est compacté. Il est prêt à rejoindre ses amis. Il manque plus que purple. Ah oui, c'est ça. En plus, il va avec eux. Il manque plus que purple. Oh. Ah ouais, mais alors purple, c'est... purple, on sait pas trop ce que c'est, hein, parce qu'il est caché derrière la bouche. Hop là. Waouh. Derrière sa vente, tel un imposteur, on va voir que ses deux yeux, les amis, et les deux bras qui vont dépasser. Normalement, c'est bien ça. Je crois qu'on voit les deux bras. C'est au moins ce qu'il faut pour choper le joueur quand il joue à Rainbow Friends. Et là,
Oh, les petites barres, histoire de faire tenir le tout. Ah ben non, c'est juste pour... de toute façon, ça permet de tenir, mais surtout pour faire... Oh, il est déjà fait descendre. Oh, c'est trop stylé. Il est déjà fini. Oula, oula. Il va faire des cerises ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors évidemment, les amis, il est en train de faire Red, le dernier personnage qui nous manque, les amis, avant qu'il nous attaque. Alors hop, c'est parti. Alors Red, normalement, il nous attaquera pas. C'est le seul qui est gentil dans toute cette histoire. Allez hop. Il est en train de faire la tête, là, c'est ça? Oh ouais, mais c'est chaud. Comment? C'est tellement bien géré pour que la structure soit parfaitement ronde, tel qu'il l'a fait. Hop, il met le triangle, et là, c'est parfait. Trop stylé. Alors, les yeux, je sais plus trop à quoi ils ressemblent, les yeux de Red. Ok, il rajoute quelques petits détails pour donner, pour combler un peu certains trous et donner un peu de relief. Waouh. Et alors là, qu'est-ce qu'il va faire avec cette petite lignée de boules magnétiques, là? Ah, il en rajoute... Ah, d'accord, il en met une par une pour combler les trous. Waouh. Ah, ça y est, il a quasiment comblé tous les trous. Je crois qu'il avait plus de rouge. Là, il a plus qu'à faire la tête et hop là, c'est parti pour son corps. Alors, là, il en rajoute un peu de relief. Et oui, pour sa petite chemise. Hop là, il met ça pour préparer les épaules et les bras. Franchement, ce gars a trop de talent. Il est bien trop fort. Franchement, pour faire des structures comme ça, c'est... C'est pas mal de travail de préparation. Allez hop, on a les jambes et il va manquer plus que les bras. La petite tête est dessus. Oh là, il est trop serré. Il a incliné un petit peu parce que les yeux étaient trop bas. Et c'est bon, il fait les deux. Et les amis, la team des Rainbow Friends est réunie. Ça veut dire qu'ils vont nous faire peur. Attendez, je mets mon casque. Oh, c'est tellement stylé. Let's go. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires, les amis, quel est votre personnage préféré avant qu'ils nous détruisent. Waouh. Alors attention, il semblerait qu'il ait du jumpscare. Ok, on va essayer sur lui. Donc on retrouve le green qu'il vient de créer. Et c'est un ouf, celui-là. C'est bon, c'est fait. Ouais. Blue, Blue, on est là. Blue, on est là, mon pote. C'est trop bien fait, c'est trop stylé. On se relève vraiment dans Rainbow Friends. Là, il suit sa ligne orange, on n'est pas sur sa ligne. On est sur sa ligne. Mais c'est trop fort. Allez, hop, purple maintenant. Non, attendez. Wouah, c'est délire. C'est bon, Ah ben, après 4 attaques, fallait bien qu'on meure quand même, hein. Ok, on est maintenant en plein jour, apparemment, avec purple. Qui... Oh, c'est la destruction. On passe maintenant à la destruction de tous les Rainbow Friends. Oh, quand il va se faire choper. Oh là là, truc de fou. Alors là, orange, ça l'a complètement détruit, hein. Alors, on va voir si blue, ça arrive à le... Oh, oh oui, complètement. Mais l'aimant est incroyable, les amis. L'aimant, là, qui lance, est juste abusé. Anéanti, le green. Et il manque plus que Red. Désolé, mon pote. Wow. Alors, lui, par contre, c'est abusé. Bon, bah, écoutez, les amis, c'était Red Kill pour regarder ces magnifiques créations de boules magnétiques. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, tout le monde.